Rebonjour YouTube, on est reparti. Ah d'ailleurs, on va se faire une petite sauvegarde rapide pour être sûr. Et là... Bonjour mon ami, où es-tu? Mon ami! Voilà! Il nous avait manqué, hein! Avec des motards! Et ça, si c'est pas la classe! Je sais pas si vous vous rendez compte, on a des squelettes sur des motos. C'est une défonce, mais vous inquiétez pas, tout est calculé. Ah. Et moi je ramasse leur point, bien sûr. Et ça, les squelettes sur des motos, ça n'a pas de prix. Par contre, on peut se prendre encore un coup. On peut se prendre encore un coup. Oh, t'as plus de bras! Plus de bras? Plus de chocolat! Hop là, on les aligne. Deux pour le prix d'une. Voilà, le tout c'est à chaque fois, en gros, de pouvoir le DPS. Oula. Et c'est pas fini, hein, bien sûr. Voilà. Voilà, là c'est fini. Voilà. Nan, caca, les nonnes. Il est pas compliqué, c'est le premier boss, c'est normal. Et là. On rentre enfin dans le château de Draculta. Allez, oh il est beau hein, il est beau Reinhardt, avec ses bottes vertes, oh putain, oh là là, hein. Oh la mémoire, hein. ça vous joue des tours, hein. Dans mes souvenirs c'était plus beau, et il a absolument pas une démarche de quelqu'un qui a un balai dans le cul, hein. Absolument pas, et c'est là où le jeu une fois de plus te dit, va te faire foutre, parce que vous croyez rentrer dans le château, que dalle, tu rentres dans... Voilà, tu rentres dans ta mère. Que dalle. Voilà, bloqué. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau ces pixels. C'est magnifique. C'est pixel parti. Et voilà, on est dans la muraille. T'es pas dans le château. Et ouais. Donc, c'est un niveau de plus. C'est parti. comment on rentre déjà? Voilà, les portes, c'est comme ça. Oh, mon Dieu. Et à partir d'ici, je commence nettement à moins me souvenir des mobs, patterns et énigmes. Je me souviens qu'ici, il y a des plateformes qui pivotent avec des pics. Pic-pus. Et qu'il faut faire les deux côtés de la muraille. Ah, ça y est. Voilà. Et je me souviens qu'il faut les aggro à Gragrou. Ah, je voulais tomber en fait. Voilà, je voulais tomber ici. Merci. Ça, je m'en souvenais. Ah, ça nous oblige à refaire la phase, mais... Alors, ça lance des bouboules. En gros, il faut avancer, leur donner un coup de fouet, aggro la bouboule, esquiver la bouboule et continuer à taper le temps qu'il recharge. Voilà, c'est comme ça qu'il faut se faire les mobs. Une petite sauvegarde histoire de ne pas trop s'emmerder une nouvelle fois. Vous voyez que la flamme a respawn. Je pourrais y retourner, il n'y a pas d'autre carte. Faut se juste s'en souvenir. To finish eventually, I'm interested to see how the different characters operate. Plan to play to this game. Hello. Sorry, I speak English like a big bullshit. Voilà. Tac. If you want to play an easy game, play the girl's one. Carrie Fernandez. Reinhardt is a little harder. But if you have Legacy of Darkness, it's an obligation to start with Henry. S'il te plaît, la plateforme. Et c'est... Ouh ! Horrible. Petite triche ! Voilà, sauvegarde rapide. Si, vraiment, si vous avez envie de jouer au jeu...
et que vous le jouez sous Nintendo 64, la vraie, vous allez tellement en chier des bulles. Hommage, souvenez-vous, aux têtes qui font ça dans le... Ah, merci. Si vous le jouez sous... Merci. Si vous jouez sur 64, les points de sauvegarde... Imaginez, là, vous tombez, vous mourrez, hein. Je devrais vous le montrer. Elle est où? Voilà, la teuté. Merci. Ouf. Et on serre le... Ouh. Et on serre les fesses. Vous verrez, après, on peut devenir vampire. On peut devenir vampire. D'ailleurs, je sais plus ce qu'il faut pour contrer le vampirisme. Et là, petite ambiance. Vous voyez, maintenant, il y a de la musique. Coucou. Caca. Oh, il défonce! Je m'y attendais pas. Pourtant, je l'ai bien défoncé, hein. Mais vous voyez, on peut se faire surprendre au détour d'un couloir. T'as l'air hagard. Mais. Pourquoi je te rate? Mais hitbox pété de merde! Ouais, dégage. Petit rose bif. On a bien mérité un petit rose bif. On se fait tellement défoncer le cul. Non, aïe. C'est bon, j'ai gagné. Voilà, je préfère que tout disparaisse, j'ai absolument pas envie de changer de mon eau bénite. Donc cassez-vous, voilà. Ça, à la rigueur, voilà, cassez-vous. Bien. Je vous disais que le jeu était pas dur, hein. Petit rose bif. Et on n'oublie pas qu'avec Télémagouille, on en a... plein les feuilles. Ah, il faut s'en souvenir, hein, de tout ça, hein. Mais bon, quand on est un gamer, c'est comme vous, avec des arrobases dans les noms, vous savez qu'il faut tout explorer, tout le temps, partout. Et là, vous dites, youpi, j'ai ouvert la porte. Que dalle, vous avez l'autre côté à faire maintenant. Donc, gardez, hein. Gardez toujours en tête que vous faites tout ça avec les sauvegardes cristal, hein, pas les sauvegardes rapides. Voilà, ces sauvegardes-là. C'est-à-dire que là, vous voulez sauvegarder, vous allez vous faire fister. Voilà, merci. C'est par où? Donc jouez avec Carrie Fernandez, hein. Carrie, vous chargez une bouboule, vous envoyez, c'est gagné. Qui me tire dessus des bouboules magiques? Bon, ça va, on va arriver à 99 joyaux. Ah, c'est là. Connard! Ah, the moon cards. Oui, comme je vous ai dit, hein, j'ai joué en anglais, donc je me souviens que des noms en anglais. Moon cards, carte de la lune, ça va. Donc vous êtes dans l'antichambre de l'apocalypse. Et bim, d'une pierre deux coups, nettoyage. Donc je vous ai dit, hein, c'est du harcèlement sexuel, mais ils sont pas cool. Donc on va juste prendre ça.
Non, quel con. Ok, c'est pas grave. Je crois que celui-là, on n'en a pas besoin parce qu'on est full. Voilà. Et vous allez voir à quel point le boomerang est dégueulasse. Voilà. J'aurais jamais dû faire ça. Ma vie pue. Voilà. On est bien, on est beau, on sentait bon le sable chaud, on a perdu notre obélite, mais c'est pas grave. Y'a rien ? Ouais. Pas de terrible non plus. Hein. Ah ! Ouh ! Ah ! Nice ! Voilà, on récupère notre obélite d'ailleurs. M'emmerdez pas. Non, non ! Ah ! Connard. Ah ah. Ouh, hi, ouh, ah ah. Ding ding ba ba da bébé. Non, c'est la pourriture. Oui, non, oui. Non, oui. Ça y est, vous s'en souvenir, hein. Faut péter le truc, prendre la clé, parce que sinon la clé est pas ouverte. LOL. Et là, on passe dans de l'autre côté, dans la version dure. De cette tour dégueulasse. C'est-à-dire qu'avant, c'était facile, la plateforme. Maintenant, vous la voyez, là, vous la voyez, hein, cette petite scie, là, qu'on va se prendre bien sur la tronche. Pas ici, mais la suivante. Mais la suivante. Je vous assure, on va se faire baiser. Alors ça, déjà, je m'en souvenais. Allez, oublie que t'as aucune chance. Voilà, merci. Voilà. C'est toujours au moment où on l'oublie qu'on se le prend dans le zizi. Merci à vous. Allez. Ouh. Ah, alors, ici, ça va se tourner, si je me souviens bien. Yeah, voilà! Ce jeu n'est pas spécialement dur, hein. Il est pas dur, il est punitif. C'est ça, le problème. C'est ça, madame. Et là, on s'en souvient? Et tac, et on revient. Et on fait un deuxième. Ah, je croyais qu'il en fallait que deux. Merci. Voilà. Pour éviter de redescendre. J'ai voulu me barrer, j'ai pas réussi. Du poulet. Alors je vous rassure, la somme pour avoir le marchand en tant que méchant est assez énorme. C'est-à-dire, on a une bonne marge de manœuvre, je crois que c'est 30 000 ou 300 000. Je vous laisse un petit peu la musique de fin. Voilà, en restant à bonne distance, on peut tuer les bouboules et c'est la bouboule magique. Ok. Voilà, ça je m'en souvenais. Et lui, lui il va être chiant. Ah oui, juste une chute et c'est la mort. Hein. C'est chiant.
Vous voyez recommencer ça encore et encore depuis le bas de la salle? Drôle, hein? Comment rallonger, donner de la durée de vie à un jeu? Faire de la merde dessus? Tac, 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 tac. Allez. Donc, quand vous êtes petit, hein, je n'abusais pas des sauvegardes rapides comme là, hein, quand j'étais petit, déjà j'oubliais la moitié du temps de sauvegarder. Au bout d'un moment, on apprend le... On apprend à le détester, on apprend à l'aimer, ce jeu. Oh non! Oh non, non, non! Non, 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 non. Imaginez sur les sauvegardes rapides. Dieu bénisse les émulateurs. J'aurais tellement ragé. Quand j'étais petit, je rageais moins aussi. Quand j'étais petit, je n'étais pas grand. Je montrais mon poireau à tous les passants. Alors bien sûr, il a des savonnettes hein, à la place des pieds. Hein. Donc bien sûr, quand vous mourrez, vous perdez tous vos HP up, etc, etc. Ah, et on arrive à une magnifique porte qui s'appelle une porte de la lune, hein, bien sûr. Veux-tu voir ma lune? Et là, regardez, il est 4h10. Alors, je peux le montrer avec la souris, c'est ça qui est bien. Vous voyez, ici, il est 4h10, et donc, nous sommes la nuit, donc, la porte va être ouverte. Si j'avais perdu plus de temps dans le jeu, si j'avais exploré un petit peu à droite, à gauche, eh bien, le temps passe. Il aurait été, par exemple, 7h. Eh bien, 7h, c'est le jour. Je crois que c'est à 6h que se fait la pure mutation jour-nuit. Eh bien, à 7h, ça aurait été le soleil, et donc, je n'aurais pas pu prendre cette porte. Et la seule solution pour prendre la porte, c'est utiliser donc une carte lunaire pour faire avancer le temps de façon à ce qu'il fasse nuit et passer la porte. Voilà pourquoi le jeu comporte un boss additionnel qui est lorsque vous ne prenez pas la souris si c'était chez vous, lorsque vous prenez trop de temps, eh bien... Eh bien, vous avez un boss supplémentaire et vous êtes tout obligé d'utiliser les Moon Cards et les Sun Cards pour faire avancer les choses. Alors, en vrai, je devrais peut-être reset le chat, personne ne parle, tout le monde s'en fout. C'est pas grave, c'est mon plaisir. Je vous le laisse, hein, YouTube. De toute façon, personne ne regardera ces vidéos, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'ennuie. Et là, Dracula en personne est là pour nous accueillir. Engeance débile. Voyez, il vous parle à vous dans le chat. On regarde le pixel et la 3D moche. Ah oh bah c'était le début, hein. Meet your doom. Quand il y a de la musique, elle est bien. Les musiques sont géniales. C'est pour ça que la musique d'accueil est magnifique. Celle où on a un personnage qu'on va rencontrer qui s'appelle Malus, je crois. Qui fait du violon et tout. Alors bien sûr, comme je ne sais pas si j'irai à la fin du jeu, je vais tout de suite vous en... On va en parler. Hein. Ah oui, bien sûr. Hein. Ce jeu contiendra moult spoil, histoire, anecdote, tout ce que vous voulez. Donc, si vous voulez faire le jeu et ne pas être spoil du tout sur l'aventure, l'histoire, etc., etc., barrez-vous. Voilà. Ou mutez. Mais on va en parler tout de suite. Donc, cette personne est censée être Dracula. Et pourquoi je dis « est censée » Parce que, bien évidemment, ce n'est pas Dracula. Ce n'est qu'un des serviteurs de Dracula. Et d'ailleurs, c'est un serviteur qui a servi à faire ressusciter Dracula. Nous verrons très bientôt un des autres putains de serviteurs de merde de Lucifer.
vous noterez que dans la traduction ou le dialogue, il dit « Quiconque s'oppose au Seigneur, machin », il ne dit pas « Quiconque s'oppose à moi ». Et ça, c'est une petite nuance, hein, du coup, qu'il faut à chaque fois noter. Il n'y avait rien ici. Donc là, bien sûr, on redescend. On a ouvert, si je me souviens, la deuxième porte, donc il n'y aura pas grand-chose par Zizi. Voilà, il y a toujours le power-up. Bah, les power-up qui respawnent, bien sûr, si vous avez... Et il faut, je ne sais plus ce qu'il faut faire. Il faut retrouver un pixel dégueulasse pour retomber. Voilà, un niveau plus bas. Et qui doit être ici. Merci. C'est un peu le temple de l'eau dans Majora. Faut se souvenir où est le passage. Suivez-moi, je connais un passage. Et Dracula, la classe. En fait, le vrai Dracula a une classe encore plus folle. Et là, des grosses ambiances. Ah, la musique. C'est la musique qu'il y avait dans le, par exemple dans les options quand vous sélectionnez le jeu. Je vous laisse l'écouter. Avec des chiens, je crois. Voilà, le Cerbère. Les Cerbères. Alors c'est ça qui est merveilleux, c'est que... voilà le Bénit, en fait. Vous vous mettez au milieu, et ils peuvent pas vous attaquer, en fait. Ils se prennent des dégâts. Ils se prennent des dégâts en essayant de vous attaquer. C'est merveilleux. Et ça, bien sûr, faut le connaître. Hein. Oh, je les avais oubliés, eux. Alors avec Cari Fernandez, le jeu ne ressemble à rien, c'est-à-dire que vous tournez en rond et vous chargez les boules. Ouh ! Oh salaud ! Mais ! Voilà, tu rentres dans un cercle de l'infini où je t'atomise. Merci. Dis donc. Virulent, hein, c'est piquant cette petite sauce-là. Cette petite bête-là. Rose beef. Donc voilà, encore une fois, vous voyez à quel point vous pouvez mourir dans le jeu. Je vous ai dit, le jeu n'est pas dur, il est juste punitif. Oh, la fontaine. Oh, je sais plus comment. C'est pas comme ça. Je crois qu'il faut la faire descendre. Alors, les sauvegardes sont quand même généreuses, vous voyez, on a passé trois combats, on peut sauvegarder, on peut re-sauvegarder, machin. Mais c'est juste la frustration de devoir les recommencer. Oh, je sais plus comment on fait la statue. Voilà. Siji, ma chère épouse, Mary. Siji, mon cher fils, Henry. Alors, je vais relire, mais ça, c'est Henry. Du coup, c'est le personnage que vous incarnez, si je me trompe pas, dans le... Bah, du coup, dans le Legacy of the Darkness. Voilà, ici, on a trouvé une carte lunaire. Ah, c'est vrai qu'en inspectant certains objets, on peut trouver d'autres objets. Il y a un moment, je crois qu'on va trouver un levier à la con, non ? Le Seigneur, il m'a dit Orderay. Du coup, Orderay, c'est justement le... Je crois que c'est le père de Henry. Justement, ce sont les... Alors, Orderay, c'est peut-être l'un des serviteurs qui a ressuscité Dracula. Il faudrait que je relise plus... Elle est illisible. Comment on fait descendre la fontaine? Oh, je sais plus, il y a un truc. Ah, voilà, c'est ça. Il y a un pixel dégueulasse.
crois que c'est ça. Non? Oh, je sais pas. Il y a un truc. Oh, il y a un truc, je sais plus. Oh, je suis déçu. Parce qu'il y a des très beaux items là-haut. Comment on fait? Je m'en souviens plus, hein. Je... Alors, je vais pas y rester des heures, mais on va essayer un tout petit peu. Un vieux jeu, c'est antique, ça. Mais non! Nintendo 64, quand même. Je crois que c'est 98, ce jeu. Ah mais arrêtez de me casser les noix, les squelettes. J'essaie de trouver comment on monte sur la fontaine. Bataillez fontaine. Comment je fais déjà sur la fontaine? Ah ça m'ennuie. Oh dites-moi, cherchez. Castlevania Fontaine, dites-moi. Dites-moi, dites-moi, je ne sais pas, je ne sais plus. Je crois qu'il y a un interrupteur caché quelque part. Putain, ils sont taquins. Hein. Ils sont taquins, les squelettes. Oh, y a un truc. Ah, je sais plus. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, on va faire une petite sauvegarde rapide. Je crois qu'on peut rentrer dans le manoir, si c'est ça. Ouais, on peut rentrer dans le manoir. Ah, manoir. Manoir de Orderay. Avec de l'argent. Et là... Je sais pas si ça vous fait ça, mais moi ça me fait penser du coup au premier Resident Evil. Hein ? Le manoir, le petit escalier, on va explorer un manoir dégueulasse, rempli d'emmerdes. Voilà, c'est Resident Evil avant Resident Evil. En même temps, Konami, voilà. L'entrée des domestiques. Je crois que je peux ressortir, c'est pas un problème. Et par ici, il n'y a pas grand chose, si je me souviens. Alors bien sûr, ne faites pas attention aux jeux d'ombre et de lumière, hein, sinon vous allez vous brûler les yeux. Et il n'y avait pas un truc sous l'escalier? Peut-être pas cet escalier-là. Et là, première rencontre avec... Agragru! Je suis un vampire! Ah, je veux bien la solution, oui. Mais on va faire d'abord le combat contre Agragru, je suis un vampire! Voilà, c'était un vampire. Obénite, for the win. Bon, elle est où la chauve-souris, là? Alors, je sais plus, je crois qu'il y a des, voilà, mode action. Il y a des trucs avec la caméra. Hein. Battle, battle. Ok, super. Donc voilà, c'était le premier ami vampire qu'on a croisé. Ah bah écoutez, hein, l'eau bénite, hein, l'eau bénite, qui est particulièrement forte, hein, dans celui-là. Je crois qu'on trouve des trucs dans les meubles. Ouais, ouais. Voilà, c'est ça pour ne plus être... alors, est-ce que c'est pour ne plus être vampire ou ne plus être empoisonné, le purifiant? Oui, c'est ça. Et puis pouf, quand la vie parfois fait pouf. Voilà. Alors, ce qui m'intéresse surtout, c'est les prochaines rencontres qu'on va avoir. Le manoir est un gros passage à histoire du jeu. Chaque bouton de chaque tombe. Il n'y avait pas de bouton sur... Ah, faut peut-être aller derrière les tombes. On va aller voir vite fait. Ah, je crois qu'il respawn, mais j'en suis pas sûr. En même temps, on s'en fout.
Notez quand même, hein, pas de temps de chargement comme sur Resident Evil. Mais bon. Ensuite, celle de Mary, puis de son fils Henry, puis finir par la tombe pour celle où on ne peut pas lire. D'accord. Bon, on va voir si on trouve un interrupteur. Parce que là, c'est... Order Ray. C'est peut-être faut tuer les fantômes. Non. Non, les fantômes, c'est les ennemis la nuit. Ma chère épouse Mary. Alors, par contre, je sais plus, je crois que le spécial, l'item, on peut rien en faire. Voilà, c'est inutilisable. C'est ce que je pensais. Putain, et les fantômes dégueulasses, quoi. Non, mais il y a un truc avec la fontaine. Alors du coup, c'était pas deux jours, parce que deux jours... Alors, faut pas être au-dessus, rassurez-moi. On va sur la tombe, on se fait spawn kill. Bravo, merci. Merci à vous. Je trouvais ça vite fait sur internet. On va continuer et puis on reviendra. De toute façon, il n'y a pas, c'est pas des gros items, mais c'est des items sympas. Dont le purifiant. Alors d'ailleurs, on va aller lire la description de ce purifiant pour avoir la laine fraîche. Guérit du fléau du vampirisme. Voilà. Dont les purifiants, c'est quand on se fait contaminer en tant que vampire. Pourquoi? Parce que ici, vous voyez les gold, mais au-dessus, vous voyez le statut God. Et il peut y avoir comme statut vampire empoisonné. Il peut y avoir beaucoup, beaucoup de statuts. Hein. Deux ou trois. Voilà, c'est beaucoup. Et je crois que ici, on va rencontrer... Ah, bonsoir Jennifer. On va rencontrer actrice. Voilà, vous allez voir, son nom, c'est actrice. Parfum de rose. Et je crois que actrice, on la rencontre de jour. Je crois qu'il faut rentrer ici de jour. Donc vous inquiétez pas, là on est plein minuit, donc c'est pas non plus un problème. On retournera à ce passage de jour. Alors ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, au revoir. C'est pas de la jeunesse, c'est 1975, c'est de la fin d'adolescence. Oui, j'avais pas de console quand j'avais 10 ans, hein, donc fuck. Alors, la première... Papa tu triches, oui mais j'ai le droit, petite sauvegarde rapide. La première porte, je crois que c'est des combats de merde. Ça n'existait pas encore. Non, mais je ne suis pas si vieux. Hein. Merde. Je sais qu'il y a certains personnages qu'il faut rencontrer de jour, de nuit. Belle peinture. Et ici, on va... Je crois que c'est ici qu'on rencontre le chasseur de vampires. Oui, c'est ici. Cinématique! Dominus! Dominus Santos! Dominus! Dominus Santos! Non, pas du tout. Figurez-vous que lui, c'est un chasseur de vampires, voilà, il s'appelle Vincent. Et sans que vous n'êtes pas une... allez, c'est un véritable être humain! Il va expliquer son histoire. Je suis Charlie Vincent, le plus puissant des tueurs de vampires! Voilà. Vous semblez être un villageois. Vous êtes perdu en forêt? C'est encore un bon là. Je suis Renai Schneider et je suis devenu détruire. Au moins, il s'emmerde pas avec des préliminaires. Hein. C'est salut, je suis Dracula. Ne dites pas de bêtises, je m'occupe de Dracula. Il n'est pas un type adversaire pour un amateur comme toi. Voilà, le mec, aucune modestie, des moustaches. Ça y est. Le vampire n'est pas un ennemi à prendre à la légère. Réponds, Reinhardt. Il faut que je lui fasse une voix comme toi, un conseil. Fuis,
tant que tu peux. Ah, jeune têtu, je vais vous donner un dernier avertissement. L'eau bénite, ça marche. Quitte cet endroit, alors c'est un petit peu la concurrence, hein. Mais c'est un gentil. C'est un gentil, sauf si vous prenez trop de temps. Je vous parlais des boss optionnels en début de cette vidéo. Eh bien, lui, c'est un boss optionnel. Sachez que si vous mettez plus de... Alors, je crois que c'est 6 jours, c'est-à-dire 6 cycles. Ou, si je me souviens bien, c'est 4 fois vous utilisez les cartes Moon et Sun. Donc, ces cartes-là, hein, pour faire passer le temps. Ce qui revient à faire avancer, bien sûr, l'horloge. Eh bien, vous arrivez trop tard. C'est-à-dire qu'au moment où vous arrivez devant le faux Dracula, il a transformé Vincent en vampire. Et c'est un boss optionnel. Voilà, il faut le savoir. Et moi, lors de ma première partie, j'ai réussi à l'envoyer se faire foutre. J'avais pas mis beaucoup de temps. Du coup, je ne l'avais pas eu comme adversaire. Mais c'est un adversaire que vous pouvez rencontrer. Les miroirs. Voilà, on les casse comme tous les miroirs. Et je crois qu'ils ont fait l'effort de pas faire les vampires dans les miroirs, je ne sais pas. Voilà, c'était sa chambre, hein. Le mec, il s'emmerde. Voilà, il dort. Il dort dans les textures même. Il est très très fort, Vincent. On le croise plusieurs fois dans l'histoire, à chaque fois avec toujours cette même nonchalance, genre « barre-toi, connard ». Mais, bah, il est mignon. Oh, je les avais pas oubliés, eux. Alors moi je trouvais ça original comme ennemi, ce sont des chevaliers en verri. Elle est fermée la clé, oui on trouvera la clé. On va pas tarder à faire jour. Ici, qu'y a-t-il? Oh non, ici cette salle si je me souviens bien c'est un emmerdement maximum. Oh on peut se faire infiniser, c'est horrible. La clé du magasin. Voilà. Non mais je vous jure, ici, au bout d'un moment, c'est chiant. En tout cas, moi, je regarde un très mauvais souvenir d'enfance. Un élégant sofa. Le poulet. Ah, du poulet. Ne me demandez pas pourquoi, j'en garde un très très mauvais souvenir. Alors, je ne l'ai pas non plus, Big Abonnois, je ne l'ai pas non plus acheté dès sa sortie, hein. Je l'ai acheté peut-être un an après, donc effectivement j'avais 14-15 ans. Remarquez cette magnifique tête de... chaise. Une chaise. Ah, c'est en ouvrant la porte que ça devient l'enfer? Je ne sais plus. À quel moment ça devient l'enfer? Déchaîne les enfants. Alors ici, si je me souviens, il y a un raccourci. Voilà. Un raccourci, non. Ah ! Le Margent ! Le pacte ! Voilà, vous dites que absolument, ça pue pas la merde du tout. On dirait un contrat, le texte est difficile. Mais le texte est si difficile à lire. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu un parchemin dans ce coin ? Dans cet endroit, pardon. Ah, je vous remercie, ma chère. Car c'est important pour mes affaires. Et voilà, nous avons Jean Raynon. Je m'appelle Raynon. On devrait plutôt m'appeler Démon. Mais appelez-moi Démon. Voilà. Il le dit tout de suite, c'est un démon. Attendez. Je ne suis qu'un démon cupide de l'enfer du cul. Je suis là pour donner des utiles à votre vie qui vont au sinistre château. Pour un démon, c'est honteux de travailler. Mais même en enfer, le fric est nécessaire. Nous étions prédestinés l'un pour l'autre. Acceptez ce parchemin. Chaque fois que vous en avez, servez-vous-en pour m'appeler. Oh là. Il est 11h, vous avez parlé trop longtemps. Je me casse. N'oubliez pas de m'appeler dès que vous avez nécessaire. Voilà, ça pue absolument pas la merde. Hein. Il y a un mec, c'est un démon. Tu le contactes avec un contrat, mais Reinhardt se dit non, lol, tout va bien. The contract. Et du coup, on accède au marchand. Et le marchand, il a des petites choses à acheter assez sympas. Voilà.
On peut lui acheter du roast beef. Alors, kit guérisseur, c'est pas mal. Voilà, il y a l'antipoison. Le kit guérisseur, c'est pour se redonner full HP, je crois. Voilà, c'est full HP. Et full statut. Et l'antipoison, c'est que pour le poison, carte solaire, carte lunaire. Voilà. Et donc, lui, ce gentil Jean Reno, hein, ne pas confondre avec Jean Reno, croit se demander quand même s'il n'a pas été inspiré hein, de Jean Reno, hein, vu la tête, le nom. Bref, Reno, c'est le deuxième boss optionnel, je vous en parlais aussi, si vous lui achetez trop d'objets, pour un montant, je crois que c'est 30 000. Quels sont ses prix à ce connard? Je l'ai acheté, tant pis, c'était 3 000. Voilà, si vous voulez, tant pis, s'en fout. Si vous lui achetez pour 30 000 d'objets, eh bien ça devient un boss que vous devez battre avant d'aller tuer Dracula. Draculito! On sauvegarde, comme ça. Et les statues, je crois que c'est de la merde. Elle nous prend qu'au bout d'un moment. Mais si vous lui achetez jamais suffisamment d'objets, jamais il vous attaquera. Et tout va bien. Oh non! Alors, c'est un des passages que je redoute le plus. Enfin, que je redoute parce que... Bordel, qu'est-ce qu'il est chiant. Je vais essayer d'abord d'aller voir Actress. On va essayer d'avoir la cinématique avec Actrice. Donc, je vais retourner dans la Saer. Je crois que c'est deux jours qu'il faut aller la contacter. Donc là, on a vu les deux personnages princes. Enfin, les deux boss optionnels qui sont en fait totalement inoffensifs. Vincent, c'est si vous prenez trop de temps. Et Raynon, c'est si vous lui achetez trop de choses. Voilà, au revoir les fantômes, cassez-vous les fantômes, vous me faites chier les fantômes. Voilà, eux ils sont chiants aussi. Youpi ! Ah, je voulais glisser, j'ai raté. C'est l'autre porte de, voilà, du même endroit. Merci, bravo. Bon, il fait jour, allons dans la serre. Alors, je sais plus si c'est à midi, à minuit. C'est chiant. Et on a la clé du magasin aussi. Tiens, c'est qui ici? Ah, voilà. Seconde rencontre avec... Oh, villageois! Oh, génial! Oh, cet endroit grouille de démons! Oh, mon Dieu! Oh, vous êtes entré dans le château des enfers! Oh, vous êtes mon sauveur! Ah, que se passe-t-il? Oh là là! Je ne comprends pas! Tiens. Une rose tombe à mes pieds. Si vous tenez à la vie, n'allez pas aux toilettes. Enfuyez-vous difficile sans tarder. Et là, tu fais... Que... Ah ! Et oui, ils ont respecté le mythe du vampire qui ne se reflète pas dans le miroir. Pourquoi ? Parce que les vampires, enfin, en passant du statut de humain à vampire, perdent leurs âmes. Gagrou, hein, je fais peur, hein, Gagrou ! Et je vais t'éclater le cul comme celui qu'on a rencontré tout à l'heure. Votre odeur diffère de celle des aventuriers ordinaires. Approche donc et tu vas goûter ton tien. Voilà, bravo. Gros vampire. Et la rose, c'est pour ça que j'ai envie d'aller voir Actress, a une signification, bien sûr. Tiens, petit purifiant. Ah, Gragrou, il faisait peur, ah, Gragrou. Bien sûr, j'étais préparé. Alors, vite, allons voir Actress. Alors, je sais plus si c'est deux jours ou à une certaine date. Et c'est la glissade! Donc on a fait toutes ces portes. Waouh, shortcut. Alors c'est deux jours ou à midi ou à minuit. Parce que là elle m'emmerde Actrice. Hein. J'ai pas envie de l'attendre. En plus je crois qu'il faut sortir et re-rentrer. Je fais tout de souvenir, hein. On a 3 heures à attendre. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Ta 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 ta. Attendez. Je vais juste regarder. Carte solaire. Voilà, c'est bien 6h du matin, donc c'est chiant.
Et c'est 6 heures du soir. Voilà. Okay. Alors si c'est pas le jour, si c'est pas la nuit, on va attendre midi. J'ai pas le choix. On n'a pas eu le droit à la chanson à midi ou à minuit. Je ne sais pas si je suis déçu ou rassuré. Eh bien, c'est vrai que tiens, YouTube, plutôt que vous faire chier à attendre avec nous, je vous dis au revoir et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Des bisous YouTube.